Salut à tous, deuxième numéro de notre mag à proximité. Au programme cette semaine, un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé à Marange-Sylvange, Amnéville, Mézières et Rosselange. Des infos culturelles, des portraits, du sport. Le mag à proximité, c'est maintenant. Voici l'aboutissement d'un projet mené avec le Conseil municipal jeune depuis un an et demi sous la responsabilité de Paul Lindon, adjoint au maire, Marie-Claire Spanier, conseillère municipale et avec l'aide des services techniques de la municipalité. Il s'agit de la création d'un jardin pédagogique mis à disposition des écoles élémentaires et maternelles Félix Midi. Au programme de la journée, la plantation de 8 arbres fruitiers et la mise en place d'un hôtel à insectes. Le projet est évolutif et d'autres mises en place verront le jour dans les mois qui suivent. À l'initiative de ses élèves, le collège Les Godinettes de Marange-Sylvange a organisé son premier forum des métiers. Les organisateurs de cette opération ont invité pour l'occasion les parents à venir présenter leur activité professionnelle. L'idée de ce forum est partie d'un constat simple, effectué par les élèves membres du conseil de vie collégienne qui avouaient ne pas connaître le métier de leurs parents. Cette découverte des métiers s'inscrit dans le cadre du parcours Avenir mis en place par l'Éducation nationale. 12 parents ont répondu présents ainsi que les professeurs du collège. Le CCAS de Marange-Sylvange a mis à l'honneur la Ligue contre le cancer et l'association Docteur Sourire lors d'une cérémonie chaleureuse qui s'est tenue vendredi 15 avril en mairie. Francis Flamin, président du comité départemental de la Moselle de la Ligue contre le cancer, remercie chaleureusement les organisateurs de cette manifestation. Florian Sinning, administrateur du CCAS et initiateur du projet Amusons-nous en famille, a remis ensuite un chèque aux membres de l'association Docteur Sourire. Malgré la pluie et le mauvais temps, 140 motards se sont mobilisés pour sillonner les rues de Marange, samedi 23 avril au matin, avec l'opération Une rose, un espoir. Le club de peinture de la CLCV de Marange-Sylvange a invité ses adhérents et amis au vernissage de l'exposition des œuvres réalisées durant l'année. La commune de Marange-Sylvange a organisé sa première édition du Forum Emploi le jeudi 28 avril en partenariat avec Pôle Emploi. Les gens s'inscrivent à l'entrée, leur nom, leur prénom, ainsi que la ville d'origine. On leur présente donc le plan avec toutes les entreprises présentes aujourd'hui. On leur présente aussi la liste des entreprises avec le nombre de candidatures. Et une enquête de satisfaction à déposer en sortant, dont on pourra exploiter les résultats et les demandeurs d'emploi qui ont permis d'avoir des possibilités d'offres d'emploi. La municipalité de Marange-Sylvange a décidé d'organiser un forum emploi à destination de ces demandeurs d'emploi. Étant donné qu'il n'y a pas de forum à Marange-Sylvange, nous organisons cette année le premier en espérant en organiser d'autres pour pérenniser des emplois et aider nos demandeurs à se réinsérer sur la durée. Donc nous avons sollicité le pôle emploi de Metz ainsi que le pôle emploi d'Argondange afin de nous aider. 7000 demandeurs d'emploi ont été sollicités et je suis contente. Aujourd'hui, nous avons une très très belle affluence. 33 entreprises sont là aujourd'hui
Et nous espérons que tous ces demandeurs d'emploi auront un travail à l'issue de ce forum, soit un CDD, soit un CDI. Voilà. Patrick Weyten, président du conseil départemental, a inauguré dimanche 17 avril dernier la troisième fête des vins de Moselle AOC et des produits locaux en présence de nombreux élus. Cette fête installe définitivement la Moselle comme grand département viticole en France. Connaissez-vous le Billeron ? Outre le fascicule nommé « Les cahiers du Billeron » réalisé par le club marangeois d'histoire locale, dont sont extraits nos sources pour notre chronique « Le saviez-vous ?», le Billeron est un affluent de la rive gauche de la Moselle qui prend sa source à l'altitude de 253 mètres à Bronvaux et qui traverse les communes de Bronvaux, Marange-Chilvange, Mézières-les-Metz et Haut-Concours sur une distance de 20 km environ. Il se jette dans la Moselle au nord de la ferme du pont d'Haut-Concours à l'altitude de 158 mètres. En 1852, Marange-Chilvange compte 840 habitants, 205 fontaines, 4 moulins à farine, 4 étangs et 2 ruisseaux qui produisent des écrevisses. De 1965 à 1973, il existait à Bronvaux un élevage de truites d'excellente qualité, alimenté par l'une des sources du Billeron. L'évolution climatique, les drainages, les travaux d'assainissement et l'exploitation intensive des ressources minières ont réduit le débit du ruisseau à 2 mètres cubes par heure de nos jours contre 4 mètres cubes par heure dans les années 70. Anita Fatis est en route pour les JO Paralympiques de Rio qui auront lieu au mois de septembre. La nageuse, originaire de Thionville, vient s'entraîner une fois par semaine à la piscine olympique d'Amnéville, qui possède l'avantage d'être adaptée et surtout de faire 50 mètres, ce qui permet à Anita de nager en conditions de compétition. Quelques dates vont encore ponctuer le calendrier de la nageuse avant la sélection officielle pour Rio. Au mois d'avril, enfin fin avril, début mai, jusqu'au 8 mai en fait, il y a les championnats d'Europe à Funchal. Et ensuite, les Jeux paralympiques en septembre. Le palmarès de la nageuse nous laisse déjà envisager sa sélection. Je suis dans l'équipe de France depuis 2009, donc j'ai démarré par un championnat d'Europe. En 2010, les championnats du monde où j'ai fait du bronze. En 2011, les championnats d'Europe où j'ai fait argent et bronze. En 2012, les Jeux paralympiques, j'ai fait 4e et 5e. 2013, une petite année à vide. J'étais finaliste au championnat du monde, mais je n'ai pas fait vraiment grand-chose. 2014, les championnats d'Europe. Là, j'ai fait du bronze encore une fois. J'ai jamais fait l'or. Donc voilà, c'est un rêve, l'or. Anita est actuellement dans la dernière ligne droite vers les JO et si tout continue sur la lancée actuelle, elle rejoindra l'entraîneur de l'équipe de France à la mi-juin. Mi-juin. Je pars en Loire-Atlantique, terminer ma préparation donc près de mon entraîneur, parce que l'entraîneur national y est de là-bas, de Loire-Atlantique, donc je pars là-bas. Fin août, on revient sur Paris, donc là il y a le rassemblement de toute l'équipe de France. Et pour le 1er septembre, en principe, on part aux Jeux. En attendant, Anita Fatis poursuit son entraînement afin de pouvoir assurer ses prochaines compétitions. Mercredi 27 avril, la famille des orangs-outans du zoo d'Amnéville s'est agrandie avec la naissance du petit de Poutry Eloudi. Une naissance exceptionnelle car, rappelons-le, cette espèce est parmi celles des plus menacées au monde à cause notamment de la déforestation. Poutry a mis bas d'un petit bébé, donc depuis 2012, la naissance de Douy, on n'en avait pas eu, ce qui est normal hein, puisqu'il faut quand même un petit peu de temps pour élever les jeunes et en avoir un nouveau, et surtout Poutry n'a que 11 ans. Donc du coup, c'est son tout premier bébé, mais elle avait déjà vu sa mère, Julita, élever Douy. Et ce qui fait que du coup, c'est une excellente mère qui a tous les bons réflexes.
De très bons réflexes qui se constatent au premier coup d'œil. En effet, la jeune maman se montre ultra protectrice et cache sa progéniture des yeux du public. Il faudra donc de la patience et un brin de chance pour entreapercevoir le nouveau-né. Quant au papa, Loudy, il se montre exemplaire également. On a la chance d'avoir un mâle vraiment très sympathique, Loudy, et qui est vraiment très sympa avec les jeunes. Il l'a été avec Doui. Et maintenant, avec le petit de Poutry, j'ai le petit puisqu'on ne sait pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Ce petit pourra d'ici quelques temps s'amuser avec Doui, son oncle âgé de 4 ans, qui ne demande qu'à faire sa connaissance. Les deux jeunes orang-outans, bien qu'ils raviront le public de par leur jeu qui prête à sourire, ne resteront pas au zoo d'Amnéville. Afin d'éviter toute consanguinité, ils partiront dans d'autres zoos pour pouvoir à leur tour fonder leur propre famille et de la sorte participer à la sauvegarde de l'espèce. Participer à la sauvegarde de cette espèce fort sympathique est à la portée de tous en consommant responsable. Si les consommateurs boudaient les produits à base d'huile de palme, les gros industriels ne verraient plus d'intérêt à détruire les forêts primaires d'Indonésie, habitat naturel des orang-outans, qui par voie de conséquence se verraient moins menacés. Samedi 2 avril, la ville était capitale du jeu vidéo et des nouvelles technologies avec le Mesia In Game. En partenariat avec Trésoptique, gestionnaire de la fibre optique, ainsi que les prestataires aux frontières du pixel, Triptych Game et Warp Zone, qui ont assumé l'animation des jeux, la ville et Trésoptique offraient aux visiteurs de 9h à 19h 500 m² de jeux vidéo, jeux d'arcade, rétro gaming, différents tournois, mais aussi une expérience de jeu sur 3 écrans en Full HD, ou encore la présence d'un casque de réalité virtuelle. Passionné depuis le plus jeune âge, débutant ou gamer invétéré, mais aussi famille, ils sont tous venus en quête de sensations virtuelles. Recueil d'impressions de participants. J'aime bien parce que ça nous montre les choses à l'ancienne et que j'ai bien aimé les photos parce que c'était très drôles. Et y a beaucoup de Mario et moi j'adore le Mario et c'est passionnant. Je viens de faire un petit tour vite fait avec ma petite famille. On a découvert que c'est bien animé et en plus il y a pas mal de rétro gaming et c'est relativement sympa en fait. Il me plaît qu'en fait il y a plein de consoles à l'ancienne que j'aime beaucoup. J'aime bien Mario Kart j'aime bien jouer aussi aux jeux de voitures ou de choses comme ça. Et franchement, ça me plaît vraiment bien ce Mesia In Game. Je suis venu pour montrer aux enfants les différents jeux vidéo, leur évolution. Et puis c'est pour une sorte de plaisir de sortir en famille. Ce qui me plaît, c'est les jeux et puis c'est la science, parce que j'aime beaucoup. On peut apprendre, la créativité, les jeux, les photos qu'on a fait aussi, j'aime beaucoup et voilà. De Space Invader datant de 1978 à un tournoi de Hearthstone en ligne commenté par Mami Twink, inscrit au Guinness Book des Records 2016, le salon touchait un large panel de visiteurs, du quadragénaire à des bambins de 6 à 8 ans. Une réelle découverte des premiers jeux vidéo pour les plus jeunes et une certaine nostalgie pour les plus anciens. Avec plus de 1000 entrées pour ce premier salon, ce Mesia In Game était un véritable succès pour cette première édition. Thank you.
Le mag à proximité, c'est terminé. On se retrouve dès lundi à 11h pour un nouveau numéro du mag Carte Blanche. Vous retrouverez le film L'odeur de l'herbe coupée, réalisé par Franck Vignat, suivi d'un reportage sur le groupe rombasien Red Milky Way, réalisé par studiocité.fr. Et n'oubliez pas, on attend toujours vos vidéos pour agrémenter ce mag Carte Blanche. À lundi !